Bonsoir à tous. Il est bientôt 20h, enfin même 20h pincé, hein, donc on va commencer le webinaire. Il y a encore des personnes qui se connectent, donc on va attaquer doucement pour laisser tout le monde se connecter. Eh bien, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle session de l'Académie Lachine. Je suis Benjamin. Vous allez m'entendre un très court instant pour introduire le webinaire. Et après, je vais laisser la main donc à notre intervenant du soir, pardon. Brice Picot, kiné du sport, membre de la SFMKS, kiné à la Fédération de handball, et qui va nous parler ce soir plus précisément des mécanismes lésionnels dans l'entorse de cheville. Et puis il va nous faire aussi un petit point sur les dernières actualités scientifiques autour de ces mécanismes. Alors, simplement pour rappel, vous en avez l'habitude pour ceux qui participent régulièrement à nos webinaires, l'Académie de la cheville. Des formations en ligne destinées aux personnes qui s'intéressent à la prise en charge des traumatismes et pathologies de la cheville. Comme d'habitude, ces formations, elles sont dispensées par des experts de la cheville, ou pas d'ailleurs, hein. On a vu quelques webinaires qui parlaient d'autres choses de la cheville, notamment si vous avez suivi le webinaire du docteur Gojanovic, qui nous parlait de l'interdisciplinarité dans la prise en charge des pathologies sportives. Mais plus d'une façon générale, hein, on s'intéresse plutôt à la cheville, avec des kinés, des biomécaniciens, des chirurgiens ou des médecins. Donc voilà, je vais laisser la parole à Brice. Simplement, pour vous rappeler que vous avez un petit onglet questions en bas et à droite de votre onglet sur la droite de l'écran. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions durant la présentation de Brice Picot. Et puis on se prendra un petit temps à la fin de la présentation pour faire une séance de questions-réponses. J'en reparlerai aussi rapidement à la fin, mais sachez que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le voir ultérieurement ou le revoir pour ceux qui prennent le webinaire en cours de route. Donc voilà, je vous laisse avec Brice et puis je vous souhaite un bon webinaire. Bien, merci Benjamin, merci à nouveau pour cette nouvelle invitation à l'Académie de la cheville. C'est toujours intéressant de travailler sur ces webinaires. Donc, comme il l'a dit tout à l'heure, on va s'intéresser aux mécanismes lésionnels ce soir. En clair, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on se fait une entorse de cheville. Alors, pour replacer un petit peu le contexte, quand on parle d'entorse de cheville, entorse latérale de cheville, la plupart des gens pensent à l'inversion forcée. Si on regarde l'image là que vous avez en haut à droite, on visualise tous globalement une supination, donc un varus d'arrière-pied, une rotation médiale, le plus souvent décrite, et puis la plupart des gens parlent, ou en tout cas semblent décrire, un mécanisme de flexion plantaire de la cheville. Il faut bien comprendre que tous les gens, jusqu'à maintenant, qui sont intéressés, sauf dans les toutes dernières années, on verra ça tout à l'heure, qui sont intéressés à la mécanique traumatique de la cheville, se sont basés soit sur le discours des patients, soit sur des images de ce type-là, soit éventuellement sur des films, sur des vidéos. Il faut bien comprendre qu'on a relevé une problématique intéressante il y a quelque temps pour ceux qui ont suivi les derniers webinaires qu'on avait fait ensemble. Dans la littérature scientifique, le terme d'inversion ne veut pas dire inversion. En tout cas, il ne veut pas dire la même inversion qu'on a en français. L'inversion dans la littérature internationale, notamment en anglais, veut dire supination. En clair, on ne parle que du plan frontal. À l'inverse, la supination, et c'est le schéma que je vous ai mis à droite, ça c'est un schéma qui est issu d'un article en anglais. La supination, c'est la combinaison des trois plans de l'espace, d'un mouvement dans les trois plans de l'espace, la flexion plantaire, l'adduction et l'inversion, que nous on aurait traduit supination ou varus. Donc là, on a déjà un vrai problème de nomenclature. Si vous traduisez un article en anglais, il y a de grandes chances que l'inversion ne veuille pas dire inversion. Donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Et la notion d'inversion forcée qu'on utilise beaucoup en français, eh bien, on comprend qu'elle est peut-être pas si juste que ça. Deuxième point important à noter, l'observation visuelle est très rapidement limitée par la vitesse à laquelle se fait le traumatisme. On parlera tout à l'heure de vitesse angulaire, par le délai, le temps qu'il faut pour se faire une lésion. Et donc, il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à quantifier correctement les choses. Et c'est l'utilisation de nouvelles techniques qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Un autre point important, on pourrait imaginer mettre en place des protocoles où on demande au sujet de se faire des entorses de cheville.
et puis regarder un petit peu comment ça se passe. Éthiquement, c'est pas possible. On n'a pas le droit de lancer un protocole sur lequel on inviterait les sujets à se blesser, voire même on ferait tout pour mettre en place une blessure sur cette manip. C'est pas possible, donc on peut pas mettre en place ce type de protocole. Il y a donc d'autres moyens d'études, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Des calculs de contraintes à partir de modèles mathématiques, des calculs de contraintes sur des cadavres, c'est l'image que vous avez à droite par exemple, qui nous permettent de faire de la reconstruction 3D, de l'imagerie 3D, via des logiciels ou des outils qu'on détaillera si on a le temps un petit peu, comme le NBIM par exemple, dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà un petit peu le contexte sur lequel on doit travailler pour essayer de s'intéresser vraiment à ces mécanismes indésirables. Je vous l'ai dit tout à l'heure, alors on va faire un petit retour dans le passé pour essayer de s'intéresser à l'évolution des connaissances sur les mécanismes lésionnels. Alors c'est pas le premier papier celui-là, les travaux de Freeman en 65 s'intéressaient un petit peu à les mécaniques de l'entorse de cheville, mais Garrick c'est un des premiers papiers qui va vraiment détailler le mécanisme et lui décrit réellement une inversion, alors attention, inversion dans votre tête ça doit se traduire par supination, varus, une flexion plantaire et une rotation interne. Pour lui, le mécanisme typique de l'entorse de cheville, c'est ça. Mais encore une fois, il se base uniquement sur des descriptions visuelles, sur des photos, éventuellement sur des vidéos, sur des images, ou sur la description du patient. Continue d'avancer un petit peu, et en 86, le premier, ou en tout cas un des premiers chercheurs qui se pose la question du délai d'entorse de cheville, combien de temps il faut pour se faire une entorse de cheville, c'est Tonnard. Tonnard, c'est un Belge qui va donc écrire en français, ce qui va nous faciliter la tâche pour la suite. Tonnard essaye de comprendre combien de temps il faut pour se faire une entorse de cheville. Alors, il place des gens sur des dispositifs comme ça, avec une plaque qui va basculer sur le côté. En l'occurrence, faire pivoter la cheville en varus, donc en supination, plutôt dans le plan frontal. Et, ce sera important pour tout à l'heure, il mesure des vitesses angulaires de chute de la plaque de l'ordre de 250 degrés par seconde. À partir de ces éléments, il va calculer un délai d'apparition de la lésion qui serait de 30 soit 40 millisecondes. Donc il semblerait que le ligament, sur un mouvement de ce type-là, se mette en tension et s'abîme en 30 à 40 millisecondes. Et puis, il prend des données électromyographiques sur les muscles fibulaires. C'est une manip qui est assez connue. Ça a été la première à remettre en question pas mal de choses. Il se rend compte que les premières bouffées électromyographiques, dans la très grande majorité des cas, n'arrivent que 60 millisecondes après le moment où se déclenche la plaque. C'est donc le premier à évoquer la notion d'anticipation, de proactivation des fibulaires. C'est le premier d'ailleurs à utiliser ce terme à ma connaissance. Et ça va être un des premiers à dire, mais il semblerait que le délai d'activation des fibulaires soit plus grand que le délai pour se faire une entorse de cheville. Et donc, si on veut protéger contre les entorses de cheville, on ne peut pas attendre la réponse réflexe. Il faut l'anticiper. Et il termine son papier en disant il serait bien que la rééducation s'envisage dans un contexte de réapprentissage moteur. Donc, c'est un des premiers à parler de termes de réapprentissage moteur. On va voir que ça va être repris par la suite sur des éléments un petit peu plus précis. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne peut pas envisager de faire une manip dans laquelle on blesserait des gens volontairement. Ce qu'on pourrait par contre espérer, entre guillemets, c'est avoir au cours d'une manip des entorses de cheville qui apparaissent, si possible sur un sujet qui serait équipé de tout un tas de capteurs, sur une plateforme de force, avec éventuellement une caméra à haute fréquence. Et c'est arrivé à ma connaissance deux fois, une fois dans cette première publication, en tout cas elle est rapportée dans cette publication de Daniel Fong. Alors il me semble que François Fourchet en avait parlé un petit peu de cette publication. On le verra tout à l'heure, Daniel Fong c'est devenu la référence en termes de publication sur le mécanisme lésionnel de l'entorse de cheville. On le reverra beaucoup, vous allez voir beaucoup de publications avec lui, si vous vous intéressez à ça, allez voir ses travaux, c'est très intéressant. Donc voilà le premier cas qui nous permet d'avoir des données précises sur ce que c'est une entorse de cheville en direct, comment ça se fait, à quelle vitesse ça tourne, etc. etc. Pour faire simple, il semblerait qu'une entorse de cheville, en tout cas dans cette manip, se fasse en deux parties, une première phase qui se ferait dans les, on va dire, entre 60 et 110 millisecondes, qui est une phase de pré-blessure où la cheville se placerait dans une situation à risque, suivie ensuite des 110 millisecondes, après les 110 millisecondes, qui semblerait finalement correspondre au mécanisme lésionnel au moment de la blessure, à partir de 110 millisecondes. Ce que note Fong et son équipe, c'est que
Si on compare par rapport aux essais qui ont été réalisés sans blessure, on note sur l'essai avec blessure une augmentation très importante de la rotation médiale, la rotation interne, une augmentation très importante de la supination, traduite ici inversion. Si on regarde dans le tableau, on voit parler de maximum d'inversion. On est uniquement dans le plan frontal, c'est bien de la supination du varus. Attention, c'est un vrai problème là-dessus. Par contre, on n'a absolument pas d'apparition de flexion plantaire. On a même plutôt une flexion dorsale en comparaison aux autres essais sans blessure. C'est donc le premier à se dire, il semblerait que les croyances à propos de la position du pied en flexion plantaire de cheville autour de l'entorse de cheville, ce soit absolument pas nécessaire. Il n'y a pas besoin d'avoir la cheville en flexion plantaire pour se faire une blessure. Et ils décrivent ce qu'on a dit tout à l'heure, deux phases. Une phase entre 60 millisecondes et 110 millisecondes qu'on appellerait une phase de pré-blessure, et le moment supposé de la blessure apparaîtrait aux alentours de 110 millisecondes, peut-être juste après. Deuxième élément intéressant sur cette publication, c'est là que François en avait parlé, en l'occurrence, il semblerait que au moment de la blessure, on observe, c'est sur l'empreinte de droite ici, une légère déviation, on a zoomé ici, du centre des pressions au moment du changement d'appui. La blessure s'est faite sur un changement d'appui, et à partir de 60-80 millisecondes, on observe cette déviation qui va se produire au moment de la blessure. Donc cette déviation latérale du centre de pression semble être liée à la blessure. Et on le verra tout à l'heure, des sujets qui font des instabilités chroniques de cheville sur des changements d'appui ont une déviation plus marquée que des sujets sains, une déviation latérale plus marquée. Si on regarde sur l'image, il semblerait que cette déviation soit liée à une rotation latérale de l'arrière-pied, qui correspond en fait à une rotation médiale de l'avant-pied, ce qui place la cheville, l'arrière-pied, dans une situation à risque de blessure avec un bras de levier qui va augmenter et qui peut amener la cheville en supination. Si on regarde au niveau cinématique, on se rend compte donc le début de la phase de pré-blessure, qui correspond finalement au trait orange sur les schémas, avec sur les graphiques de gauche le mouvement dans le plan horizontal, donc les rotations médiales et rotations latérales, et sur les schémas de droite, sur les graphiques de droite, les mouvements dans le plan frontal, donc ici on parle encore d'inversion et éversion, il faut avoir en tête cette notion de varus valgus, et on se rend compte que la phase de blessure, qui s'envisage aux alentours de 110 millisecondes, on est sur le trait rouge, correspond au moment où j'ai le maximum, en l'occurrence une grande partie, de l'inversion maximale et de la rotation médiale maximale. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à ce moment-là, on n'a probablement pas d'activité électromyographique des fibulaires, et donc, le fait de passer de 60 millisecondes à la phase de blessure, c'est-à-dire 50 millisecondes plus tard, ne laisserait à nouveau pas le temps de pouvoir contracter les fibulaires. Je fais une petite parenthèse sur les notions de délai de réaction, ce qu'on appelle les temps de réaction péronéens. Il me semble que Romain Terrier avait fait un topo là-dessus sur un de ses webinaires. On estime le temps de réaction péronéen, c'est-à-dire le délai qu'il faut entre le moment où la cheville capte le mécanisme qui semble amener vers la lésion et le moment où on observe les premières bouffées électromyographiques. Il faut 80 millisecondes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bouffées électromyographiques, elles ne correspondent pas au moment où il y a une production de force. Il y a encore un délai, puisqu'en fait la bouffée électromyographique correspond au moment où on a une décharge des potentiels d'action sur la plaque motrice. Mais il faut encore tout un tas d'étapes, de chaînes, alors vous les connaissez forcément tous, la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique, la fixation sur la troponine C, la bascule, les ponts d'actiniosine, tout ça, ça prend encore du temps, ce qu'on appelle le délai électromécanique, qui dure aux alentours de 80 millisecondes à nous. Donc il faut au total quasiment 160 millisecondes entre le moment où on aurait une cheville qui se place en situation à risque et le moment où on peut produire réellement de la force via nos éverseurs, nos fibulaires. Or là, le moment qui commence à risque est à 60 millisecondes. Donc si on décale de 160 millisecondes, on se retrouve 300 millisecondes plus tard, donc bien après le moment lésionnel supposé. Donc là encore, on verra un petit peu plus tard, il semblerait que la notion de proactivation soit fondamentale. Le deuxième cas de blessure en laboratoire est détaillé par une équipe norvégienne qui travaille sur des handballeurs. On a une handballeuse qui s'est fait une blessure sur le même mouvement, un changement d'appui, qu'on appelle un mouvement de cutting. Ce mouvement de cutting conduit à une lésion, et cette lésion est bien détaillée, et
de manière assez intéressante, on a quasiment les mêmes résultats, à savoir une absence de flexion plantaire d'acheville. On est même sur une flexion dorsale, c'est le premier graphique ici. Vous voyez que la ligne noire qui correspond au sujet blessé présente une flexion plantaire qui est beaucoup moins importante. On est même sur de la flexion dorsale que les sujets contrôles, c'est-à-dire les essais où elle ne s'est pas blessée. On observe une augmentation importante de la supination, du varus, noté encore une fois inversion ici. Le pic, le moment de force maximal, s'obtient pour le varus, oui, la supination à 138 millisecondes, ce qui pourrait laisser penser au moment de la blessure. La rotation médiale, même chose, une augmentation importante de la rotation médiale, c'est le troisième graphique, avec un pic, un moment de force maximal, aux alentours de 170 millisecondes. Donc ces auteurs-là estiment la blessure très légèrement plus tard que les travaux de Fong, aux alentours probablement de 150 millisecondes. Il faut noter quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, on y reviendra, c'est la vitesse à laquelle se fait l'entorse de cheville. Dans le plan frontal, la vitesse maximale atteinte en inversion, donc en supination, en varus, correspond à quasiment 600 degrés par seconde, et Daniel Fong, ils étaient exactement sur les mêmes valeurs. Alors que sur les essais sans blessure, on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus faibles, aux alentours de 200 degrés par seconde, ce qui correspondait plus ou moins aux manœuvres qu'avait utilisé Tonard. Donc on pense que Tonard n'allait pas assez vite dans ses déstabilisations, ce qui pouvait ralentir le délai d'apparition des bouffées électromyographiques. Il note également deux choses intéressantes, donc on l'a dit tout à l'heure, l'absence complète de flexion plantaire de cheville, l'intérêt du strap, on en parlera tout à l'heure en conclusion. Et puis, au moment de la blessure, il semblerait qu'on ait une observation d'une augmentation de la flexion du genou, qui conduit à un délestage de l'articulation, un délestage du poids du corps sur la cheville. C'est le graphique qui est en haut, qui correspond aux forces de réaction au sol verticale. Là aussi, Romain avait fait de mémoire un webinaire assez intéressant sur les phénomènes de délestage suite au mécanisme lésionnel. Eh bien, on retrouve à nouveau dans cette publication l'apparition d'un phénomène de délestage, qui en l'occurrence ne suffira pas à éviter la blessure, mais qui montrera que le système nerveux utilise un système de protection intéressant qui est le délestage. Et là encore, ces auteurs concluent et se comparent à d'autres études qui évaluent la blessure entre 130 et 180 millisecondes tout à l'heure. Pour info, on en reparlera, mais on observe bien une flexion plantaire importante, si je reviens sur la diapo d'avant, qui se situe ici. Fong observe la même, mais bien après le moment de la blessure supposée. On est aux alentours de 300 millisecondes après la pose du pied au sol. C'est très en retard par rapport à l'observation de la blessure. Et probablement que ce que visuellement on observe, qui nous semble être une flexion plantaire de la cheville, en fait, ce soit presque une conséquence, ou en tout cas, c'est très retardé par rapport au moment du mécanisme lésionnel. On en reparlera sur les autres publications. Alors là, je vais pas m'étaler sur les trois diapos qui vont suivre. C'est tout simplement pour ceux qui s'intéressent à ces mécanismes traumatiques. Dans les années 2010-2011, toujours l'équipe de Fong va s'associer avec les Norvégiens pour essayer de mettre en place des modèles mécaniques qui vont permettre de quantifier les contraintes qui sont obtenues sur l'ensemble des ligaments de la cheville. Ils vont coupler ça à l'analyse des mouvements. Ils vont reporter ça à l'étude qu'avait fait Fong, dont on a parlé tout à l'heure en 2009, sur la blessure qui arrive en laboratoire. Et ils vont estimer que la contrainte qui était obtenue sur le LTFA pendant la blessure était de 15 à 20% de contrainte, d'allongement, ce qui correspond finalement à la moitié de ce que serait capable d'encaisser ce ligament talofibulaire antérieur avant de se rompre. Ce qui explique l'entorse de grade 1 uniquement qu'on observe dans la blessure décrite par Fong en 2009. Ils vont aller un petit peu plus loin, ils vont continuer à se rapprocher des Norvégiens, et ils vont mettre en place un système de modélisation à partir de l'imagerie de 3 ou 4 caméras, qu'on appelle le MBIM, le Model Based Image Matching, décrit par les Norvégiens sur le genou quelques années auparavant, en 2005. Donc si vous vous intéressez au traumatisme articulaire, essayer de comprendre comment se fait une entorse, que ce soit au niveau du genou ou au niveau du pied, les études les plus précises semblent se placer autour de ce nouveau système d'analyse vidéo qui permet de quantifier les mouvements, de reproduire le squelette, on le voit ici, et de permettre d'envisager les mouvements de manière précise, de quantifier à partir d'images prises sur des caméras d'événements sportifs.
On peut comparer ça un peu pour ceux qui suivent le tennis au hawk eye, les yeux de faucon où on voit la balle arriver sur la ligne ou pas. C'est quelque chose qui ressemble à ça en beaucoup plus précis et qui permet de quantifier les déplacements articulaires. Et tout à l'heure, on en parlera des contraintes articulaires qui sont subies par les ligaments. À partir de cette nouvelle technologie, il y a pas mal de publications qui vont sortir. Celle de 2011 est intéressante puisqu'elle reprend deux entorses de cheville qui se sont déroulées pendant les Jeux Olympiques à Pékin. Et les conclusions restent les mêmes, c'est-à-dire que la flexion plantaire n'est absolument pas nécessaire, on est même plutôt sur une flexion dorsale, et que systématiquement, elle arrive, c'est le rond rouge que je vous ai schématisé ici, elle arrive effectivement, mais très en retard par rapport au mécanisme lésionnel supposé, qui correspond au trait rouge ici. Au passage, j'aurais dû le détailler, mais à chaque fois, quand on parle de délai, c'est après la pose du pied au sol, qui correspond au zéro, c'est le premier trait noir schématisé ici. Chez ces auteurs-là, il semblerait que la lésion, la blessure, se produise à 80 millisecondes après la pose du pied au sol. On est très légèrement en avant de ce qu'avait suggéré Fong, bien en avant de ce qu'avait suggéré Christian Soon et ses collaborateurs. On verra que tout à l'heure, il y a une notion de vitesse angulaire qui est un peu différente, et la vitesse de course des sujets à ce moment-là est plus importante que les cas de laboratoire, ce qui pourrait expliquer que le mécanisme traumatique soit plus rapide et apparaisse plus tôt. Et encore une fois, au moment de la lésion, absolument pas de flexion plantaire ou de flexion dorsale, on est quasiment en position neutre, c'est uniquement de la supination et de la rotation médiane. Toujours dans l'étude des mécanismes lésionnels, encore Fong et ses collaborateurs, vous retrouvez les mêmes noms quasiment systématiquement, en 2012 s'intéressent à 5 cas d'entorse de cheville, mais ce coup-ci dans la thématique du tennis. Et là encore, absolument pas de flexion plantaire. Donc ça reste visiblement systématique. Par contre, il note des paramètres intéressants. Il semblerait que dans le cas du tennis, on ait une rotation médiale beaucoup plus importante que dans les autres types de blessures qu'on avait vues auparavant, c'est-à-dire les changements d'appui comme le hand, on a vu tout à l'heure du lacrosse ou du saut en hauteur. Il semblerait que la rotation médiale soit plus parlante. Plus marqué en tout cas au niveau des blessures au tennis. On en parlera tout à l'heure en application pratique. Et ils ont la bonne idée de résumer un petit peu, c'est le tableau que vous avez ici, de résumer toutes les publications de toutes les entorses qui ont été traitées, donc toutes celles que j'ai évoquées jusqu'à maintenant. Donc ici vous avez la publication de Mock, ici celle de Fong en 2009, à nouveau celle de Mock sur les deux qu'on a vues juste avant. Aux Jeux Olympiques de Pékin, et puis à nouveau celle de Christian Soon, vous voyez que systématiquement on a une absence complète de flexion plantaire de cheville, donc c'est absolument pas un mécanisme nécessaire. Vous voyez que les vitesses d'inversion sont de l'ordre de 600 degrés par seconde pour Fong et Christian Soon, mais que dans certains cas, notamment quand la course est importante, c'est le cas de Mock ici, les vitesses angulaires sont beaucoup plus importantes, de l'ordre de quasiment 2000 degrés par seconde, c'est hyper rapide. Et cette vitesse angulaire va modifier le moment où il va y avoir la blessure. Donc forcément, sur des vitesses angulaires marquées en inversion, il est probable que le délai d'apparition de la lésion soit beaucoup plus rapide. C'est pour ça qu'on parlait de 80 millisecondes tout à l'heure. Au niveau de la rotation médiale, on obtient un petit peu les mêmes valeurs. Des valeurs plus importantes sur le tennis, moins importantes au handball, par exemple. On en parlera tout à l'heure. Il suppose tout simplement que le fait qu'il y ait très peu de réception au tennis, finalement, c'est beaucoup des courses latérales, on a moins de changements d'appui type handball, il y a moins d'esquives d'un adversaire, on est plutôt sur des déplacements très latéraux, avec des glissades sur terre battue, c'est l'image que vous avez ici. Là, ces glissades sur terre battue, vous voyez, génèrent une énorme rotation médiale, beaucoup plus importante que sur tous les autres sports confondus. Si on s'intéresse au football, alors au football, il y a deux mécanismes qui semblent prédominer. La principale notion qu'il faut avoir, c'est qu'il semblerait qu'au football, ce soit un des seuls cas où on observe une blessure avec contact. Les entorses de cheville, comme les ruptures de croisée, sont considérées comme étant majoritairement des non-contact injuries, c'est-à-dire des blessures sans contact. Au niveau du football, pour la cheville en tout cas, c'est un peu différent. Il y a deux mécanismes typiques. Le premier, c'est un appui de l'adversaire qui vient déstabiliser la cheville au moment de la pose du pied au sol et qui place la cheville dans une position à risque, d'un risque d'inversion, là encore une fois, inversion égale supination, ou dans un deuxième cas, un contre au niveau de l'avant du pied qui va générer une extension forcée, une flexion plantaire
maximale forcée. Là, pour le coup, il y a vraiment une flexion plantaire forte qui va atteindre des structures capsulaires un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir sur des entorses de cheville classiques. Le premier cas, par contre, avec un contact sur le côté qui va modifier la pose du pied au sol, ressemble beaucoup aux entorses de cheville sans contact qu'on a l'habitude de croiser en cabinet. Donc si je fais un résumé de tout ce qu'on vient de voir sur ces mécanismes lésionnels, on se rend compte que la blessure semble arriver entre 80 et 180 millisecondes, que la flexion plantaire est quasiment jamais présente, en tout cas elle est rarement importante, que le type de sport dans lequel on se situe va modifier le type de mécanisme lésionnel, et donc les atteintes, on le verra tout à l'heure. La vitesse angulaire est systématiquement supérieure à 500 degrés par seconde, c'est extrêmement rapide, on comprend bien qu'à l'œil nu, on ne peut pas arriver à observer correctement les différents mouvements, et les amplitudes en tout cas, et que chez les sujets instables, on retrouve un glissement latéral du centre des pressions, un déplacement latéral du centre des pressions, qui va placer la cheville en situation à risque, on l'a bien vu sur la publication de fond, et les sujets instables, chroniques de cheville, ont tendance spontanément à se placer dans cette situation-là. En rééducation, on en parlera à la fin, c'est forcément une piste sur laquelle on va devoir travailler. Des études très récentes, on va en voir deux, elles datent de cette année, elles se sont intéressées aux réceptions sur le pied, alors soit d'un adversaire, soit d'un coéquipier, qui est un type particulier d'entorse de cheville, et à l'aide de ce fameux MBIM, là, ils ont réussi à quantifier les contraintes subies par le LTFA et le ligament calcanéo-fibulaire, pour estimer la gravité de la blessure. Donc c'est des travaux qui sont extrêmement récents, qui sont extrêmement prometteurs, on va le voir, à partir d'une observation visuelle, télévisuelle, de caméras placées sur le terrain, en utilisant ce système de remodélisation du squelette humain et du coup du squelette ligamentaire, on peut arriver à quantifier la contrainte que va subir le ligament, et on va le voir, la gravité de la lésion. Ils ont pris 4 cas d'entorse de cheville au basket, avec réception sur le pied adverse. Ils ont calculé, alors c'est des données qu'on obtient facilement dans la littérature, mais ils les ont recalculées. On obtient la raideur du ligament talofibulaire antérieur, la raideur et la résistance du calcanéo-fibulaire. Vous voyez que, comme on l'avait vu ensemble dans un des premiers webinaires sur l'anatomie de la cheville, le calcanéo-fibulaire est beaucoup plus résistant que le ligament talofibulaire antérieur. Et ils vont estimer, à partir de ces calculs-là, de travaux sur des cadavres, ils vont estimer la raideur, en tout cas la capacité d'absorption de contraintes, ou plus clairement, le moment où la contrainte va devenir supérieure à la résistance du ligament et va être abîmée. C'est la flèche rouge, la très rouge que vous avez sur les deux graphiques en dessous. Dessous, vous avez les contraintes calculées sur le ligament talofibulaire antérieur à gauche de l'écran et sur le ligament calcanéo-fibulaire sur le graphique de droite, pour les quatre situations d'entorse de cheville. Alors on ne va pas les détailler les quatre, on n'aurait pas forcément le temps. Par contre, on va s'intéresser à la première parce qu'elle est assez classique à comprendre. Vous avez sur le schéma graphique du haut la contrainte subie par le ligament calcanéo-fibulaire, sur le graphique du bas sur le ligament talofibulaire antérieur et très horizontal la zone de contrainte estimée à partir de laquelle on aurait une rupture de ce ligament. À gauche sur le tableau, vous avez tout un tas de données, on ne va pas s'intéresser à toutes, on n'a pas le temps. Ce qu'il faut noter, je ne l'ai pas dit, mais là encore, dans cette publication, même quand on réceptionne sur un pied, on note une absence, et on le voit ici, quasi complète de mouvement de flexion plantaire de cheville. On est toujours plutôt dans le plan frontal avec de l'inversion, ou dans le plan horizontal avec de la rotation médiane. Si on s'intéresse au cas 1, c'est celui que j'ai re-souligné en rouge, qu'il faut suivre jusqu'au bout, il semblerait qu'on ait un pic d'inversion qui soit extrêmement important. Ce pic d'inversion extrêmement important conduit rapidement à une tension maximale sur le ligament calcanéo-fibulaire qui va très rapidement dépasser la résistance, la capacité de résistance du ligament. Et d'après les auteurs, sur leurs calculs à partir des observations visuelles, devrait atteindre une rupture de ce ligament. A l'inverse, on a peu de contraintes en rotation médiane, ce qui aboutit finalement à peu de contraintes sur le ligament talofibulaire antérieur. Et au final, à partir des données des staffs médicaux, ils ont effectivement recoupé les informations avec une absence d'atteinte nette sur le LTFA, ligament talofibulaire antérieur. Par contre, on obtient une rupture complète
du ligament calcanéo-fibulaire qui a été mesuré sur une échographie. Donc, c'est extrêmement important puisque à partir uniquement d'une image et d'un traitement vidéo, on peut arriver à qualifier la gravité de la lésion uniquement sur du calcul de contrainte. Et ils ont fait ça pour les 4 cas et systématiquement on retombe toujours dans la même conclusion. On observe de manière très précise l'angle, la vitesse, le moment de force d'inversion, de rotation médiale, le calcul qui s'ensuit sur la composante de contrainte sur le ligament entraîne une capacité à décrire si oui ou non une atteinte mineure, voire nulle, voire complète de chacun des deux ligaments sur lesquels ils sont intéressés. Le dernier cas est aussi un peu intéressant, puisque là, ils ont montré que les deux ligaments étaient très rapidement tendus. On a une grosse contrainte en inversion associée à une grosse contrainte en rotation médiale. Les deux ligaments subissent une contrainte qui dépasse leur capacité de résistance, qui nous donne une blessure de stade 2 sur les deux ligaments, enfin une atteinte modérée du LTFA et une atteinte modérée du ligament calcanéo-fibulaire qui correspond à un stade 2 finalement chez nous, et ce stade 2 a abouti à 2 mois d'atteinte, donc à 3 mois pardon, d'arrêt de jeu. Donc à partir de cette analyse vidéo, ils ont également réussi à comprendre le délai de reprise qu'on pouvait envisager derrière. Au final, quand on fait une réception sur un pied, il semblerait qu'il y ait deux mécanismes qui s'opèrent, soit une supination ou inversion associée à une rotation médiale, soit une rotation médiale isolée. Dans le premier cas, on a une répartition des contraintes avec une atteinte du LTFA et du calcanéo-fibulaire. Dans le deuxième cas, on est quasiment que sur une atteinte du ligament calcanéo-fibulaire. Donc là encore, à partir de cette analyse vidéo, on peut arriver à savoir quel ligament va être abîmé et à quel degré de lésion on va avoir. Ces travaux, ils ont été validés, en tout cas, ils ont été confirmés par les travaux la même année, donc ça a été publié en juin, ça de mémoire, sur l'évaluation de blessures sur le même système d'analyse au basket. Alors, il semblerait qu'au basket, ce soit un peu différent. Là, c'est l'inverse du tennis. On a moins de rotation médiale, tout simplement parce que les sauts se font souvent dans l'axe. On saute pour contrer ou on saute pour se matcher. On saute rarement en se décalant latéralement. Et du coup, on va avoir une contrainte qui est ciblée, un mécanisme traumatique qui est ciblé dans le plan frontal. Là encore, aucune flexion plantaire sur les mécanismes lésionnels. Donc, ce sont les débuts de ces analyses vidéo. Il y a beaucoup de choses à redire sur ces papiers, mais ça permet de comprendre que, à partir d'une analyse toute simple, bon, il y a un traitement derrière évidemment, mais à partir d'une analyse vidéo simple, on arrive à quantifier la gravité de la lésion et les contraintes subies par chacun des ligaments. Et on va quasiment terminer par un mécanisme lésionnel très particulier, le mécanisme lésionnel de la syndesmose, donc la tibio-fibulaire inférieure. L'image du bas, là, où on voit Neymar qui se blesse, elle est typique de la lésion de la syndesmose, avec une rotation latérale du pied sous le tibia qui est forcée, le pied étant en position neutre, voire en légère dorsiflexion. Dans ce cas-là, le talus, c'est le schéma que vous avez représenté ici, pivote dans la pince du malléolaire, écarte les deux malléoles, et pour rappel, le système tibio-fibulaire postérieur est beaucoup plus rigide que le ligament antérieur, et donc on va obtenir ce qu'on appelle une lésion en livre ouvert, c'est-à-dire que la partie arrière va rester accrochée, et la partie avant va s'ouvrir, comme quand vous ouvrez un livre, ce qui conduit à une atteinte classique de la syndesmose et une rupture du ligament tibio-fibulaire inférieur et inférieur. Donc, on va le voir, ne serait-ce que l'interrogatoire ou l'observation de ce phénomène de rotation latérale est souvent bien décrit par les patients parce que souvent le pied est ancré dans le sol. Et le pied étant ancré dans le sol, on n'a pas cette sensation de torsion qui pourrait souvent être décrite par une inversion, une supination. Le patient ne décrit pas du tout ce mécanisme-là. Il est vraiment sur une torsion dans le plan horizontal avec le pied qui part vers l'extérieur ou le tibia qui part vers l'intérieur. Et on a beaucoup plus de facilité à identifier via l'interrogatoire ce type de lésion. On en parlera dans pas longtemps, mais dans une lésion de la syndesmose, l'état du ligament deltoïde, notamment sur son compartiment antérieur, est fondamental à aller étudier. En pratique, parce que forcément il y avait beaucoup de théories là-dedans, en pratique, qu'est-ce que ça nous apprend? Il semblerait que un des mécanismes principaux, voire le principal mécanisme d'entorse latérale de cheville, se fasse en varus,
ou supination en français, ou inversion en anglais, associée à une rotation médiale du pied. Ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans les sports avec changement de direction. Alors, le hand, le basket, la plupart des sports co, éventuellement des sports, on a vu tout à l'heure en athlétisme, où je fais du saut en hauteur. Dans ce cadre-là, c'est les deux images que vous avez sur la droite. Dans ce cadre-là, il va falloir aller investiguer de manière très importante l'état du LTFA et l'état du ligament calcaneofibulaire. On avait parlé du ligament cervical qui s'occupe de la soutalienne, et puis éventuellement, si le pied est ancré dans le sol un petit peu plus vers l'avant, aller vérifier l'état de l'articulation de Chopard et du ligament en Y. Dans des sports comme le volley, on observe plus particulièrement, c'est l'image, alors elle est un peu floue, c'est l'image que vous avez à droite ici, on observe plus particulièrement des réceptions sur le pied de l'adversaire. Il y a d'autres sports qui vont amener ce type de blessure-là. On va observer plutôt un mécanisme en varus quasi pur, donc dans le plan frontal, ce qui va conduire quasi systématiquement à une lésion isolée du LCF. Il va falloir aller vérifier le ligament cervical, là encore, on comprend avec la soutalienne qui va basculer dessous. Et puis, le mécanisme de varus pur étant mis en place, on risque d'avoir un contact médial du talus contre la malléole médiale, aboutissant à une contusion au niveau du dôme du talus ou sur le rebord médial du talus. Donc il va alors aller vérifier. Dans ces deux types de mécanismes lésionnels, les complications les plus fréquentes, ce sont les lésions des fibulaires avec un arrachement du rétinaculum inférieur, donc une subluxation des deux fibulaires, les arrachements osseux, soit la malléole au niveau des insertions du ligament talofibulaire antérieur ou du ligament calcanéofibulaire, un arrachement du cinquième méta via le cours fibulaire par exemple, une atteinte de l'ospéronéum, une fracture voire arrachement de l'ospéronéum au niveau du long fibulaire. Donc tout ça sont des phénomènes de traction des fibulaires qui agissent après le mécanisme lésionnel, le pied étant déjà parti en varus en grande partie, on a le pied qui est ancré dans le sol, on voit la chaussure en haut à droite. Si on a une contraction des fibulaires dans cette situation-là, le pied ne peut plus remonter et c'est un arrachement osseux qu'on va observer. Un autre type d'entorse de la cheville sont les entorses en rotation. On a beaucoup parlé de la rotation médiale sur le tennis, c'est typiquement quelque chose qu'on observe sur les glissés, alors souvent associé au varus, mais il y a une prédominance de la rotation médiale. Cette rotation médiale, elle va conduire à une atteinte isolée du LTFA le plus souvent, possiblement d'une structure qu'on connaît moins, en tout cas qui est moins souvent décrite, c'est la partie postérieure du ligament collatéral médial, c'est le ligament tibio-talien postérieur, qui risque d'être mis en tension, qu'on imagine très bien représenté donc sur ce schéma de droite. Et puis un mécanisme spécifique en rotation externe, qui va conduire principalement à la lésion de la syndesmose, on vient de le voir, c'est souvent quand le pied est ancré dans le sol, via des crampons, qu'on a un phénomène de rotation autour. Dans ce cas-là, on risque d'avoir une lésion de l'ensemble des parties antérieures, que ce soit le ligament profond ou superficiel du compartiment médial, une lésion isolée, ou en tout cas principale, du ligament tibio-fibulaire antérieur, et éventuellement du ligament talofibulaire postérieur, étant donné qu'il est très résistant, on l'a moins souvent atteint. Là encore, les pièges à surveiller, la complication principale, sont des lésions ostéochondrales du talus, voire des lésions pures sur la partie antérieure du talus. Et dernier mécanisme qu'on a envisagé ensemble, c'est la flexion plantaire forcée qui est typique dans le football, où là on a un blocage au moment du shoot. Ce blocage entraîne une flexion plantaire maximale qui va tirer sur les compartiments antérieurs des deux ligaments collatéraux, donc le LTFA et les faisceaux antérieurs du ligament collatéral médial, associé à une lésion capsulaire de la partie antérieure de la capsule, et éventuellement une lésion de Lisfranc. On le voit très bien, associé potentiellement à une lésion de la syndesmose si vraiment on a traction vers l'avant. Là-dessus, il y a quelques éléments anatomiques qu'il va falloir aller surveiller en cas de complication. C'est une luxation cunéo-métatarsienne, voire un arrachement tout simplement osseux, des lésions tendineuses sur les compartiments antérieurs des tendons des extenseurs, notamment le tibial antérieur, et éventuellement des lésions nerveuses sur les nerfs fibulaires superficiels ou profonds, qu'on avait détaillé ensemble dans les premiers webinaires sur l'anatomie. Donc je vais m'arrêter ici, je vais juste conclure sur certains éléments. Au final, l'application pratique de tout ça, l'interrogatoire du patient, l'observation du mécanisme lésionnel, elle est fondamentale, notamment si on a accès à des vidéos ralenties, qu'on a de plus en plus sur les terrains pour ceux qui encadrent des sportifs.
La question du strap se pose. On voit de plus en plus, enfin, on voit des straps avec la notion du 8. L'idée, c'est d'empêcher la flexion plantaire de cheville. Si on réfléchit par rapport à ce qu'on s'est dit, la flexion plantaire étant absente, dans la plupart des cas, est-ce qu'il est bien nécessaire de limiter cette flexion plantaire? C'est une question que je pose. C'est ouvert par certains auteurs également. Est-ce qu'il serait pas plus intéressant d'envisager des straps qui bloquent les rotations médiales ou latérales, puisqu'on a vu qu'elles étaient importantes, notamment au tennis, en rotation médiale, avec une sorte de U horizontale? Là, j'ouvre la question aux praticiens de terrain. La notion de test clinique, alors on a fait tout un webinaire sur les tests cliniques, on comprend bien que le talartil test est intéressant pour le calcanium fibulaire, le ligament, le tiroir antérieur pour le LTFA, pour les lésions de la syndesmose, l'external rotation test est forcément proche du mécanisme lésionnel, donc ça paraît être le plus pertinent, on l'avait vu ensemble sur les notions de fiabilité. Et puis pour les rééducateurs un petit peu plus précis, lors des exercices de travail de changement d'appui, de réception de saut, le travail de positionnement du pied, se réceptionner en position neutre, que ce soit en évitant la rotation latérale ou en évitant la rotation médiale, éviter la bascule du calcaneus, du talus en supination lors des changements d'appui, c'est un élément qui est fondamental. La proactivation, la plupart des auteurs le mettent en avant, vous avez compris pourquoi. Maintenant, le délai d'activation des fibulaires étant trop lent, les phénomènes de proactivation se développent de plus en plus et il y a des outils à l'heure actuelle qui permettent de travailler cette proactivation. Et enfin, pour ceux qui travaillent chez des patients qui sont souvent en instabilité chronique de cheville, contrôler la translation latérale du centre de pression, du centre de gravité sur les changements d'appui, ça semble être fondamental et il y a beaucoup beaucoup de publications qui s'intéressent à la rééducation au niveau contrôle neuromoteur et travail des changements d'appui. Notamment au niveau de la rupture du croisé, on voit qu'on arrive à corriger le geste de changement d'appui. Et il semblerait que sur la cheville, ce contrôle de translation latérale soit fondamental pour arriver à limiter les entorses de cheville. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Merci de votre attention. Petite parenthèse pour ceux qui sont intéressés par la rééducation de la prise en charge du sportif. On va avoir un congrès de la Société française des kinés du sport en avril prochain. Donc allez jeter un œil sur le site de la SFMKS. Et on a beaucoup de formations qui sont mises en place, notamment sur la cheville, pour essayer de vous aider dans ces prises en charge de rééducation qui sont de plus en plus compliquées. Voilà, merci beaucoup. Et puis j'attends vos questions, s'il y en a. Parfait, merci beaucoup Brice. Donc oui, le temps que les premières questions arrivent, deux petits rappels. Le webinaire a été enregistré, donc si certains d'entre vous sont arrivés en cours de route, vous aurez la possibilité de le revoir. Vous serez invité à aller voir la chaîne YouTube de l'Académie de la cheville, où vous pouvez d'ailleurs trouver toutes les webinaires précédents. Et puis, deuxième info, on n'a pas encore de programmation bien définie pour les prochains webinaires de l'Académie de la cheville. C'est en cours de réflexion, on essaie de voir avec les différents intervenants. Donc bien évidemment, vous serez prévenu par mail dès qu'on aura une programmation à vous donner. Toujours pareil, on fera un petit mailing comme vous avez pu recevoir pour le webinaire de ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va attendre quelques instants. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir terminer le webinaire. A priori, Brice a été clair comme de l'eau de roche, comme d'habitude, j'ai envie de dire, ou trop compliqué, on ne sait pas. Donc voilà, bah écoutez, hein, si c'est tout bon pour vous, vous pouvez bien évidemment les envoyer. Ah, donc on a une première question qui est arrivée, mais si jamais vous avez des questions à posteriori, pardon, vous pouvez les envoyer soit à l'adresse par laquelle vous recevez les mailings, ou surtout, bah voilà, vous avez l'adresse de Brice sous les yeux. Bon voilà, finalement on a quelques questions qui sont arrivées. Jamel, notamment, qui nous demande « Est-ce que le cuboïde peut être touché dans une entorse de la cheville ?» Alors, oui, on a souvent des atteintes du cuboïde.
On les traite le plus souvent parce que je vois que ça, voilà, comment traiter celle-ci. Les techniques de thérapie manuelle sur le cuboïde marchent plutôt bien. Alors il faut savoir, la question c'est qu'est-ce qu'on appelle une atteinte du cuboïde, si elle peut être osseuse, notamment sur un phénomène d'entorse de cheville où le pied se place vraiment en supination. Le pied va arriver quasiment avec un contact direct sur le bord latéral et on peut avoir des traumatismes ou en tout cas des contusions sur le cuboïde. On a d'autres problématiques avec un cuboïde qui peut être le plus souvent placé en partie inférieure qu'on corrige par des techniques de thérapie manuelle. Voilà, c'est effectivement un cuboïde peut souvent poser problème. En tout cas, c'est une séquelle qu'il va falloir aller surveiller et sur laquelle on s'intéresse de plus en plus à la thérapie manuelle. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Livia, dans le cadre d'entorse de cheville à répétition, la mise en place d'un protocole de proactivation de la cheville vous paraît-il pertinent? Alors, bonjour Olivia. Il est non seulement pertinent, mais il me paraît fondamental, puisqu'il y a de plus en plus, enfin, à peu près tout le monde s'accorde à dire que les sujets en instabilité chronique de cheville proactivent moins. Alors, il me semble peut-être que Romain a fait un travail là-dessus. Non seulement il proactive moins, c'est-à-dire qu'il sollicite moins, mais en plus moins fort. C'est-à-dire que l'activité des fibulaires en amont de la pose du pied au sol est diminuée et en plus elle est retardée. Donc effectivement, le travail de la proactivation de cheville, les fibulaires plus exactement, est fondamental et c'est probablement un des facteurs de risque de récidive les plus importants. C'est un axe sur lequel il faut travailler de plus en plus. Voilà, Maxime qui remercie Brice pour la bonne explication. C'est parti. Et sinon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour des questions. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous remercier et puis à vous souhaiter une bonne soirée. Ah, attendez, question de dernière. Oula, oui, c'est bon. Il y en a qui sont réveillés encore. Donc, changement de programme. Tac. Alors, rien à voir avec ce webinaire. Ça commence Non. bien. Mon frère s'est fait opérer d'une ligamentoplastie de cheville ce matin. Castin court péroné. Non plâtré, botte de marche. Autorisé par le chirurgien à marcher en petit appui partiel dès qu'il peut. Dans un précédent webinaire sur la rééducation après ligamentoplastie, vous parliez de plâtre et de ne pas poser le pied par terre pendant 3 semaines. N'est-il donc pas toujours de plâtre post-ligamentoplastie? C'est Romain qui nous demande ça. Alors effectivement, on avait fait un webinaire avec Romain Terrier sur les protocoles post-ligamentoplastie. Par contre, c'était pas le même type d'opération en l'occurrence. Ça c'est un castin visiblement. Là on parlait de l'opération ligament frondiforme qui a dû largement détailler Yves Tourné. Et effectivement, les indications chirurgicales post-chirurgie pour le coup ne sont pas toutes les mêmes en fonction des chirurgiens. Il y en a qui sont plutôt sur un plâtre strict, d'autres sur une attelle sur lequel on autorise un petit peu la reprise des pas plus rapide, la remise en charge. Donc non, il n'y a pas forcément de consensus. De toute façon, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas de consensus international sur la rééducation post-chirurgicale en termes de ligamentoplastie de cheville. Donc des fois, il y aura des plâtres et des fois, il n'y aura pas de. Ce qu'il faut surveiller, c'est les séquelles qui sont amenées par ce plâtre que vous connaissez bien. Jamel, quand vous parlez de proactivation, vous assimilez cela à la reprogrammation neuromotrice. Alors, oui, la proactivation, c'est une des composantes de la reprogrammation neuromotrice. Alors là, il y a beaucoup de questions visiblement sur la proactivation, donc on va refaire un point là-dessus. La proactivation, c'est l'activation des muscles fibulaires. Alors en l'occurrence, on parle de la cheville, des muscles fibulaires avant la pose du pied au sol. En clair, au moment où vous posez votre pied au sol sur une situation à risque, vos fibulaires, c'est des sujets qui sont considérés comme sains, seront préactivés ou proactivés. C'est-à-dire que on a bien compris normalement, j'espère que je l'ai bien expliqué,
le délai d'apparition du mécanisme traumatique est trop court pour qu'on attende une réponse réflexe, donc post-mécanisme lésionnel, pour activer les fibulaires. Il faut donc forcément passer, chez des sujets sains, par un phénomène d'activation pré-pose du pied au sol. C'est pour ça qu'on parle de proactivation du fibulaire. Mais la proactivation, vous l'utilisez tous les jours. Vous en rendez pas forcément compte, mais la proactivation, quand on rate une marche, c'est parce qu'on a proactivé. On a proactivé. On attendait une marche, puis il n'y avait pas de marche. Et pourtant, vous aviez déjà anticipé le fait de lever la jambe de telle hauteur. Ou au contraire, vous attendiez la descente d'une marche, et puis finalement, il n'y avait pas de marche. Donc, vous avez tendance à la rater. La proactivation, c'est-à-dire l'anticipation, c'est une action motrice qui se fait en anticipant une action, entre guillemets, une action motrice. Un autre exemple qui parlera peut-être à plus de personnes. Si vous êtes à l'apéro, le serveur arrive avec un plateau plein de bières. Si vous lui enlevez une bière sans le prévenir, il va tout renverser. Pourtant, lui, quand il enlève sa bière, il ne renverse pas. Pourquoi ? Parce qu'il avait anticipé le poids de la bière et il avait désactivé d'autant l'activité de son biceps. Si vous le faites sans le prévenir, il n'a pas pu proactiver et du coup, il renverse tout. Donc la proactivation, c'est un phénomène qui est connu depuis très très longtemps, qui permet d'anticiper les actions motrices pour éviter la chute le plus souvent possible. Alors oui, en effet, il y a beaucoup de questions sur la proactivation. Comment travailler la proactivation, du coup, voilà, en rééducation? Alors c'est Tiffany et Guillaume qui nous et Jamel qui nous demandent ça. Alors c'est une très très bonne question. Pour le coup, je vous invite à aller regarder pas mal de webinaires là-dessus. Je pense qu'il y a eu des webinaires complets sur les phénomènes de proactivation. C'est de la reprogrammation neuromotrice. Il faut placer la cheville ou l'articulation qu'on cherche à solliciter dans des situations qui vont être proches du mécanisme lésionnel. En clair, qui vont être proches de l'entorse de cheville. Plus on va être proche de l'entorse de cheville, plus le système nerveux va pouvoir se dire « Attention, là, je me mets dans une situation à risque. » Il va falloir que j'anticipe cette situation à risque. Et on arrive, alors les dispositifs Miolux ont été développés par des chercheurs pour justement solliciter cette proactivation. Je vous invite à aller regarder des publications de Hertel, de Donovan, il y en a une publication française de personnes de Dijon qui ont mis en place l'année dernière ou cette année, des protocoles de renforcement, de travail de proactivation via des dispositifs comme le dispositif Miolux qui permettent de restaurer une proactivation du fibulaire. Encore une fois, les instables de la cheville ont perdu cette capacité de proactivation, ce qui les met dans un cercle vicieux d'entorse de cheville. Donc c'est vrai qu'on parle des précédents webinaires, hein. Si vous voulez les voir, sur YouTube, vous tapez Académie Cheville, vous tombez sur la chaîne en question, et puis donc voilà, il y a plein de webinaires en complément de ce qu'on n'a pas le temps de parler ce soir. Alors, encore un petit flot de questions. Attaque Jean-François. Comment contrôler en rééducation la translation latérale du centre de gravité? Eh ben, alors ça, c'est un petit peu comme les principes de, pour ceux qui travaillent sur les genoux aussi, le travail du valgus dynamique du genou. Pour moi, on est sur un travail de déplacement latéral du bassin. Donc, on se met face à moi, je travaille ça au cabinet, face à un miroir. On demande des changements d'appui avec une ligne sur laquelle on demande de ne pas dépasser. Il y a des repères au sol sur lesquels on doit placer ses appuis. Et si le bassin dépasse la ligne au sol, on considère qu'on a une translation latérale du centre de gravité. Et dans ce cas, on est en situation à risque. On travaille ça les yeux ouverts, on travaille ça les yeux fermés une fois que c'est un peu plus acquis. On travaille ça également sur des changements d'appui très rapides. On peut travailler ça sur des tests fonctionnels. Alors il y a beaucoup de hop tests. Et ben il y a des lateral hop tests qui nous permettent de mesurer ces déplacements latéraux du bassin. C'est des exercices encore une fois de reprogrammation neuromusculaire sur lesquels on insiste en utilisant la vision principalement dans un premier temps, pour éviter ces déplacements latéraux. Donc ensuite, Maxime, la flexion plantaire n'est pas forcément nécessaire pour travailler la proactivation. C'est une bonne question.
Effectivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous avez vu dans les 5-6 dernières années, on pensait que la flexion plantaire était la partie la plus importante de l'entorse de cheville. Il semblerait que ce soit pas le cas. Peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de flexion plantaire en proactivation. C'est une bonne question. Les travaux qui ont beaucoup étudié la proactivation et la perte de proactivation restent quand même des sauts depuis une marche dans l'axe et on n'a pas de déplacements latéraux. Et dans ce cas-là, selon moi, le déplacement principal de la cheville se fait dans le plan sagittal et on est quand même sur de la flexion plantaire. Donc, j'ai pas forcément la réponse à cette question. Je l'ai même pas du tout, je crois. À partir du moment où on a plutôt tendance à se faire des entorses de cheville sans flexion plantaire, effectivement, c'est plutôt sur des déplacements latéraux qu'il va falloir probablement travailler. Du varus, de la supination, de la rotation médiale, un plan tridimensionnel où la flexion plantaire n'est peut-être pas nécessaire à 100%. Mais encore une fois, je sais pas, je suis pas sûr de ça. Claire, lors de la rééducation d'une entorse, pardon, quels sont les facteurs limitant la flexion dorsale, hormis le glissement du talus et ou l'orthèse? Alors, il y a deux facteurs principaux qui vont limiter la flexion dorsale de la cheville. Le premier, tu l'as nommé, c'est le glissement antérieur du talus. Souvent, en fait, c'est pas qu'il est antérieur, c'est qu'il a du mal à se postérioriser au moment où il devrait remonter en flexion dorsale de cheville. Donc ça, c'est plutôt des techniques de thérapie manuelle qu'on utilise. Le deuxième cas qui est souvent décrit, mais que finalement on retrouve quand même peu, c'est une diminution de la souplesse des gastrocnémiens notamment ou du solaire qui est un des facteurs principaux. Après, il peut y avoir d'autres choses à l'intérieur plus embêtantes comme des lésions ostéochondrales du dôme qui vont ou des morceaux de fragments osseux qui se baladent dans l'articulation qui pourraient gêner tout ça, une rétraction éventuellement postérieure de certains des éléments. Mais les deux principaux, les plus classiques, restent le talus antérieur et une hypoextensibilité du triceps, du système du triceps surin, à ma connaissance. Tiffany, une fois que le patient a acquis une bonne proactivation, l'effet reste-t-il à vie ou faut-il un travail fréquent? Là encore, très bonne question. Ce qui semble relativement vrai, c'est que les sujets sains qui vont rester des sujets sains vont le garder visiblement toute leur vie. Et c'est le fait de se faire une entorse de cheville qui a l'air de limiter cette proactivation. On pourrait donc imaginer que le fait de faire une rééducation complète, correcte et complète, qui restaure ses capacités de proactivation, surtout si on est chez une personne sportive qui reprend une activité, si on a correctement mis en place la rééducation, on pourrait en tout cas espérer que ça reste à vie. Et puis, il y a quand même des alertes, c'est-à-dire que des patients qu'on rééduque qui étaient des sujets instables, vous faites une rééducation complète, correcte, au bout de 1 an ou 2 ans, il peut arriver qu'ils vous les recroisiez ou qu'ils viennent refrapper au cabinet en disant, bah, j'ai ma cheville qui commence à se... Alors, elle s'est pas tordue, mais elle fait ce qu'on appelle des épisodes d'instabilité, elle part, je ne tords pas la cheville. Bah, ça, c'est peut-être une alerte qui nous dirait, il serait peut-être bon d'aller vérifier si on n'a pas un peu de proactivation à aller restimuler de ce côté-là. Mais là encore, je suis pas sûr qu'il y ait une réelle réponse précise à donner là-dessus, et je pense que c'est presque du cas par cas pour le coup. Et puis Jean-François nous demande si le port de semelles a une incidence sur la survenue des entorses. Alors là, il me semble qu'il y a aussi quelques éléments qui avaient été apportés par François Fourchet là-dessus. De mémoire, il me semble que non, il n'y a pas de lien direct entre le port de semelles et le fait de se faire des entorses de cheville, comme il n'y a pas de lien direct, si on répond d'une autre manière, entre le type de pied, les pieds plats, les pieds creux. La morphologie du pied n'a pas l'air d'être un facteur de risque pour se faire des entorses de cheville. Alors peut-être que des semelles très usé, avec un affaissement complet sur la partie latérale qui, encore une fois, aurait tendance à créer une translation latérale du pied sur le côté, pourrait amener à mettre en situation de danger la cheville. Mais à moins que la semelle soit vraiment mal faite, trop usée ou complètement farfelue, théoriquement, il n'y a pas de lien
entre le type de semelle, le port de semelle et le risque d'entorse de cheville. Et ben voilà, on est arrivé à peu près au bout des questions. Je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, hein, si vous avez d'autres questions, à les poser a posteriori sur les mails qui s'affichent. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis à la prochaine fois sur un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée.